Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction. Et nous allons parler avec mes trois invités, qui sont trois architectes, de projets avec des matériaux biosourcés. À ma gauche, Monsieur Benoît Rougelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, votre agence s'appelle Land Fabric. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Land Fabric, c'est une agence d'architecture et de paysage qui est basée à Paris et à Grenoble. Et on travaille en matériaux biosourcés, géosourcés depuis plus de 10 ans. À côté de vous, Monsieur Julien Haas, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte également et vous, c'est AER Architecture et vous êtes un Savoyard. AER Architecte, on est basé effectivement à Annecy, en Haute-Savoie. Voilà, on est une agence d'une trentaine de personnes et on travaille dans des domaines assez variés, du résidentiel au bâtiment public. Et on essaye d'avoir une approche la plus éco-responsable possible. À côté de vous, Monsieur Corentin Desmichel, bonjour. Bonjour. Vous êtes également architecte, Atelier Desmichel. Oui. Même chose, petite présentation de l'Atelier Desmichel. Donc on est une agence à Paris. On travaille depuis 2007 à 100% sur les matériaux biosourcés, sur les matériaux, les isolants biosourcés, le bois, la terre crue, la chaux, les matériaux simples. Et on fait tout type de programmes, écoles, centres culturels, maisons, logements, essentiellement en Île-de-France et en région centre. Alors, avec vous, on va poser un petit peu le décor, on va dire. Quel est l'intérêt, pourquoi travailler avec des matériaux biosourcés? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, architecte, et qu'est-ce que ça apporte à vos maîtres d'ouvrage? Moi, en tant qu'architecte, ça m'apporte du désir de travailler. J'ai toujours été sensibilisé par mon éducation à la santé, à l'alimentation bio. Et pour moi, c'est une sorte de continuité naturelle. Il faut pouvoir construire avec des matériaux sains pour vivre sainement, ne pas être malade, que l'environnement ne soit pas malade. Et aujourd'hui, on est dans une société un petit peu aveugle par rapport à cette question-là. Donc moi, c'est ces matériaux-là qui me permettent d'être en intégrité avec ma pratique professionnelle. D'accord, donc une importance déjà par rapport à vous. Ensuite, quand vous parlez de bâtiment, vous parlez d'un organisme vivant. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ça et puis nous dire comment vous intégrez les matériaux biosourcés dans cette démarche d'organisme vivant? Oui, alors cette image d'organisme qui est absolument pas nouvelle, elle se veut un petit peu aussi une sorte de contre-réponse au mouvement moderne qui voulait le bâtiment comme étant une machine à habiter. Et aujourd'hui, nous, on essaie plutôt d'avancer cette idée d'organisme à vivre. Et un bâtiment issu de matériaux locaux, donc issu de milieux vivants. Donc dès lors qu'on transforme des milieux et qu'on en crée un autre, ou au moins on transforme les milieux sur lesquels on s'implante, il s'agit au bâtiment de participer à un nouveau milieu, à un milieu vivant. C'est-à-dire qu'il n'est pas là en tant que chose mécanique, morte, il doit être vivant. Donc c'est pour ça que les matériaux végétaux ou minéraux sont intéressants, parce qu'ils participent à des transferts de chimiques, des transferts physiques, ils ont des capacités très intéressantes, et ils sont durables, et puis ils sont vécus aussi de manière vivante. Donc l'idée, c'est que les programmes, les gens qui y habitent, les animaux aussi, participent à la vie des bâtiments. Le bois est un matériau biosourcé. On est ici au Forum Bois Construction. Est-ce que le matériau biosourcé, qui va être l'isolant, qui va être la paille, qui va être le chanvre, est forcément associé, selon vous, à la construction bois? Est-ce que c'est un ensemble? Alors, souvent, mais pas que, non. Il peut y avoir du bois dans des bâtiments, et puis que ça soit très léger, finalement, qu'il y ait peu de bois. Alors, nous, on travaille beaucoup en paille, parce que, justement, on trouve que la paille fédère, si c'était là un peu votre question, plus que le bois, on trouve. Mais du coup, dans les bâtiments en paille, il y a toujours du bois.
c'est souvent des structures en bois, des charpentes en bois. Et il y a un effet d'entraînement avec la paille et le bois, du coup. Et puis, les autres matériaux biosourcés, le chanvre qu'on utilise aussi, la laine de bois, le lin ou des choses comme ça. D'accord. Donc, il y a un effet d'entraînement. Oui. Et la paille est plus fédérateur, finalement, peut-être même que le bois. Les deux se complètent. Les deux se complètent très, très bien. Ouais. Alors, je vais vous poser à peu près la même question. Comment vous abordez dans votre pratique et même peut-être à titre personnel cet aspect utilisation des matériaux biosourcés? Ne vous battez pas pour prendre la parole. Je vais tenter de répondre. Pour moi, les matériaux biosourcés, ça rentre dans une approche transversale. Construire, c'est avoir un impact sur l'environnement, c'est s'inscrire dans un site. Et les matériaux qu'on va mettre en œuvre, nous, on est là pour orienter, faire des choix et pour essayer de trouver une cohérence là-dedans. Une cohérence d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique. Et c'est un peu comme ça que les matériaux biosourcés prennent leur place dans nos projets. On nous demande souvent d'être dans des approches énergétiques très poussées. Or, on sait que rien ne sert de faire des bâtiments surisolés s'ils ont été construits avec des matériaux ultra énergivores. Donc je trouve que, de ce point de vue-là, les matériaux biosourcés, c'est une des entrées très importantes. Parce que ce sont des matériaux qui sont la plupart du temps locaux. On les trouve sur place. La paille, la terre, elle est souvent sur le site. Il peut y avoir un travail qui est fait à partir des matériaux présents. C'est des matériaux locaux. Souvent, c'est des mises en œuvre effectivement avec un véritable savoir-faire et donc des entreprises locales. Donc, il y a toute une dynamique autour de ça. Une dynamique qui se crée ou qui est à recréer, mais on en parlera à la fin de notre échange sur les savoir-faire. Même question sur votre approche, sur qu'est-ce que ça vous apporte, quoi, finalement ? Moi, je dirais que face à l'urgence climatique, on n'a pas le choix. Il faut construire durablement. Et aujourd'hui, durablement, c'est biosourcé, géosourcé. Enfin, on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Donc, on n'a pas le choix. Donc, du coup, il faut se lancer tout de suite et maintenant. Il y a quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien, qui est M. Boyeux, que vous connaissez peut-être, qui dit l'avantage des biosourcés, c'est que le carbone, c'est maintenant, c'est tout de suite. Est-ce que vous partagez ce... C'est-à-dire que tout de suite, on stocke du carbone? Oui. Après, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Je pense qu'on est tous ici convaincus de ça depuis des années. Donc on n'a pas le choix, donc il faut le faire. Enfin, c'est pas un effet d'opportunité. C'est que on est convaincus depuis des années. Quand je dis on n'a pas le choix, c'est aux autres en fait. Il faut faire comme ça. Sur la pratique architecturale, travailler ces matériaux, est-ce que ça vous amène à réfléchir différemment vos bâtiments? Oui, on réfléchit différemment nos bâtiments. Après, peut-être que la question aussi que je rajouterais, c'est la question de l'intensité sociale. C'est-à-dire que de travailler avec des matériaux biosourcés, géosourcés, on fait des chantiers où il y a plus d'intensité sociale. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de... L'argent ne va pas aux matériaux, parce qu'on utilise des matériaux qui sont assez, on va dire, pauvres, sans être péjoratif, hein. Mais dans lequel en fait il y a plus d'intensité sociale de mise en œuvre. C'est-à-dire que on fait appel à la qualification de l'ouvrier qui met des bottes de paille, qui taille une charpente, qui fait des enduits à la terre. On dépense l'argent public d'une meilleure façon, on va dire, plutôt que de le mettre dans l'argent de matériaux qui sont souvent issus de la pétrochimie. On le met dans la matière humaine. Dans la matière, et matière qui est souvent locale, ça va forcément avec le local et l'utilisation de matériaux locaux biosourcés. C'est forcément... Ça va souvent de pair, oui, effectivement. On sait que globalement, sur les projets en paille, la paille arrive de moins de 50 km. Là, on va parler justement d'un bâtiment que vous construisez en ce moment. Je sais pas, il est fini ou c'est en cours de construction ? Il est presque fini. Il est presque fini. Donc, on parle d'un collège, c'est ça ?
Non, une école. D'une école, excusez-moi, le collège c'est à côté. Donc on parle d'une école qui est en Isère. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu et nous parler des choix à la fois archi et matériaux, et donc matériaux biosourcés. Donc c'est une toute petite école de 3 classes, donc qui va de la maternelle au CM2. Il y a donc 3 salles de classe, une médiathèque, ludothèque, parce que c'est un espace un peu polyvalent. Dans une petite commune, il faut tout faire. Donc c'est du caisson en bois paille préfabriqué, bardé en bois, donc on voit l'image. Et à l'intérieur, il y a un enduit à la terre qui a été fait sur place, et une façade sud qui est en pisé. Donc le pisé, c'est de la terre compactée qui a également été faite. Les trumeaux étaient montés, voilà, on voit l'image. Un à un, des blocs de 1 mètre par 1 mètre qui ont été montés sur place, enfin pisés sur place. Et avec la terre qui est sur place. La terre est arrivée d'un chantier terrassier à 30 km du chantier. À 30 km du chantier. Le pisé, c'est quelque chose d'anecdotique ou qui revient dans ce que vous pouvez constater à droite à gauche? Dans ce village, il y a beaucoup de bâtiments en pisé, donc c'était faire honneur à ce matériau que d'en mettre dans le nouveau bâtiment. Après, j'ai une bonne nouvelle pour la construction de terre, c'est que le guide des bonnes pratiques de la construction en pisé, en bauge, en torchis sort mercredi prochain. Donc on espère que ça va faire un essor qui est déjà en cours. Il y a beaucoup d'architectes qui se remettent à la construction de terre. Un peu ce qui s'est passé avec la paille. Exactement, en 2012, les règles professionnelles. Et là, c'est les guides des bonnes pratiques de la construction de terre. Et la paille va forcément avec le bois. Pour nous, BTP, bois, terre, paille. Bois, terre, paille, BTP. Donc c'est votre triptyque de biosourcé. Tout à fait. Okay. On va parler du collège et du gymnase. Je vais vous demander un peu de nous le décrire. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais on reviendra après. Décrivez-nous un petit peu vos intentions architecturales sur ce projet et puis ensuite la manière dont vous inscrivez les matériaux biosourcés dans cette intention. On a un projet global collège-gymnase qui a été porté par 2 maîtres d'ouvrage. La chance, c'est qu'ils se sont regroupés pour faire un seul appel d'offres de maîtrise d'œuvre, et donc on a un projet qui est cohérent et on n'a pas deux équipements juxtaposés mais un seul équipement qui regroupe ces deux entités construites et financées par ces 2 maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, c'est le département pour la partie collège et la communauté de communes de Rumilly pour la partie gymnase. Voilà. Donc c'est un projet qui a été conçu en 2013, qui a été ouvert aux élèves en septembre 2018. Il a été relativement long, on a eu des petites difficultés au démarrage de chantier avec un maçon qui a déposé le bilan avant de couler les fondations. Ce qui, paradoxalement, nous a donné une chance incroyable, c'est de repartir sur la planche à dessin, parce que la construction bois, sur ses niveaux de performance passive et j'en passe, ça demande du temps en conception, et ce temps, il est très compressé. Et là, on a eu cette chance au démarrage de repartir sur la planche à dessin quelques mois, de travailler avec les entreprises, et notamment le groupement qui avait remporté le lot charpente bois, qui était porté par LP Charpente, et de faire des mises au point. Ce qui fait qu'on a eu un chantier qui s'est très bien passé, dans une bonne ambiance générale, qui a été livré dans de très bonnes conditions, et ça, c'est assez rare. Donc on peut bien travailler grâce à, finalement, du béton qui ne va pas bien. On peut se dire ça, c'est sûr. Non, mais pour nous, c'était essentiel. C'est essentiel d'avoir pu... Alors, peut-être quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites quand même, l'entreprise qui est défaillante, mais ça veut dire que pour travailler sur des matériaux biosourcés, sur du bois, ça on le sait déjà, mais il faut quand même un gros travail préparatoire en amont. Ça veut dire qu'il faut bien préparer son chantier. Ça veut dire que la question des matériaux biosourcés, je pense que mes confrères leur diront à leur manière. On fait un pas de côté, on sort un peu des sentiers battus. Un mur en béton, c'est 2 traits, et puis un plan de ferraillage. Un mur en bois ou un mur qui intègre de la paille ou en pisé, c'est des techniques constructives, c'est des savoir-faire, c'est plus de complexité. Et donc c'est un peu ce qui caractérise ce type de projet.
Sur les biosourcés, là, on a le bois, donc, et ensuite... Alors, le projet, le seuil et le côté un peu que, voilà, atypique. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on vous demande un seuil, c'est ça? Oui, dans la commande, c'est quelque chose qu'on avait à l'époque. Alors, à l'époque, on ne parlait pas du E+, c'est moins. Et donc, le maître d'ouvrage qui voulait pousser, là, une filière économique autour du bois et de la filière bois, hein, que ce soit des forestiers jusqu'aux agenceurs, en passant par les charpentiers, plutôt que de nous dire faites-nous un bâtiment en bois, ils nous ont dit dans le cahier des charges c'était un seuil sur l'énergie grise, donc le contenu énergétique de la fabrication, extraction, fabrication, mise en œuvre, entretien, maintenance, déconstruction du bâtiment, le cycle de vie du bâtiment et des matériaux, qui est essentiel parce que si on vous demande un bâtiment ultra et ultra performant en énergie, à côté de ça, si on ne regarde pas quel est le poids énergétique des matériaux qu'on met en œuvre, ça n'a pas de sens. Et donc là, on avait un seuil qui nous poussait naturellement à utiliser le bois, qui est un levier ultra puissant, et les matériaux biosourcés. Donc c'est le bois, c'est la paille en isolant sur toute la partie équipement sportif, c'est un isolant métis, donc textile recyclé, en plus en atelier protégé, donc il y a aussi un intérêt social, on va dire. Social, ouais. En fait, finalement... Les piliers du développement durable, on arrive à les retrouver de ce point de vue-là. C'est des choix de gabions en parement pour le socle qui vient d'une carrière, on a trouvé une carrière assez proche du site, etc. À chaque fois qu'on a pu, on l'a fait. Malgré tout, optimum technico-économique, on a fait des arbitrages et freins réglementaires. Réglementaires, problème de coût. Ça coûte plus cher de construire avec des matériaux biosourcés ? Non, c'est pas. Pour moi, on peut pas. Si on fait plus, enfin, il faut concevoir autrement. Si on sait s'approprier les matériaux, les techniques de mise en œuvre, et que la conception est faite en intégrant ces éléments-là, je sais pas ce que vous pensez, mais pour moi, on peut faire à coût identique. C'est une question de choix, et ça revient quelque part. Nous, architectes, on est là pour orienter les flux sur tel ou tel lot, sur le coût des fournitures, comme tu le disais, ou sur le coût de la main-d'œuvre. Et on préfère aller sur une augmentation et orienter les flux sur la main-d'œuvre qui, elle, est locale, fait tourner l'économie et donne du sens. Voilà. Donc, je retiens quand même que biosourcé égale beaucoup égale local. Oui. Biosourcé égale local. Enfin, oui, forcément, oui, bien sûr. Hein. Une réaction par rapport à ce qui vient de se dire, si vous voulez. Oui, moi j'ai peut-être une petite perche un peu plus lointaine, mais parce que c'est comme ça que j'arrive à tenir la cohérence, du moins le moins de compromis possible. C'est que derrière cette question du biosourcé, il y a la question de la biodiversité et la question de la dynamique du vivant. Et qu'est-ce que c'est que cette dynamique du vivant en période de sixième extinction de masse? On parle de ça, c'est un peu froid dans le dos. C'est la question du sol. Le sol vivant, c'est une très faible épaisseur sur la surface de la planète, et une qualité d'atmosphère. Et le sol, finalement, le sol, c'est le premier toit du monde. C'est-à-dire que c'est là où il y a suffisamment d'organismes vivants pour faire pousser le bois et la paille dont on parle depuis tout à l'heure. Donc il faut d'abord se poser cette question de sol vivant, de biodiversité, puis de biosourcé. Parce qu'on peut tomber aussi dans des pièges avec le biosourcé, c'est de massifier des essences en monoculture, de continuer à polluer les champs, etc. Donc il faut faire très attention à ça. J'allais vous poser un peu comme question. Moi, je vis dans une plaine céréalière. Je vois pas encore beaucoup de blé, on va dire bio. Hein. Est-ce que vous faites attention à l'utilisation des matériaux que vous utilisez quand ils sont biosourcés? Est-ce que vous allez jusqu'à utiliser des matériaux, disons, de l'agriculture biologique? Ou est-ce que vous poussez à ça, en tout cas? On y tend, mais parfois sur des chantiers, voilà, il y a des réalités économiques qui font qu'il y a des arbitrages à faire, mais on y tend, oui. Vous faites attention à cet aspect? On essaye de tendre vers ça. Là, ce que je peux dire, c'est que sur l'exemple en question qui était ce collège et gymnase, on a quand même réussi à avoir plus de 90% des bois qui étaient certifiés de provenance locale, avec deux certifications, bois des Alpes et bois qualité Savoie. D'accord. Donc on y arrive. On y arrive sans trop de difficultés. La plus grosse difficulté étant l'anticipation. Parce que quand on est sur ces... Là, on parle de 9000 m² à construire. Donc c'est des gros volumes.
Donc sur certaines provenances géographiques, il faut réserver les bois suffisamment longtemps à l'avance pour être sûr d'être approvisionné. Et sur l'aspect donc matériaux plutôt végétaux, hein, autres que le bois, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous importe ? Oui, on travaille aussi dans ce sens-là. Moi, c'est pareil que mes confrères, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas toujours. Il faut toujours fouiller pour avoir davantage de fournisseurs en fait, et puis pour essayer de localiser de plus en plus les ressources. Ouais. Alors, on va parler savoir-faire maintenant, parce que si j'ai bien compris, ce sera la fin de notre échange, parce qu'on on y arrive. Donc, des matériaux locaux, plutôt, avec un savoir-faire local, mais un savoir-faire qui n'existe pas toujours ou qui n'existe plus, je pense au pisé. Comment ça se passe quand on veut construire en pisé en France ? Est-ce qu'on trouve les entreprises ? Il existe des maçons qui savent faire. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent aussi. Mais c'est comme dans la construction en paille. En fait, il y a des jeunes entreprises qui se montent. Et il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi qu'il y a beaucoup de... La profession de la construction se féminise grâce aux biosourcés, géosourcés. C'est-à-dire que sur mes chantiers, les seules fois où il y a des ouvrières... des maçonnes ou des charpentières, c'est sur le biosourcé et les géosourcés. Et c'est assez agréable, parce que quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est que les chantiers bois, les chantiers biosourcés, c'est un vrai plaisir de faire du chantier, qui n'est pas toujours le cas quand on est architecte. Et je pense que le fait qu'il y ait une féminisation de la construction, y participent. Et la féminisation de la construction, du secteur de la construction, des opérationnels, hein, on va dire, pas du conducteur de travaux, vient par le biosourcé, davantage. Tout à fait. Tout à fait. Sur les entreprises, sur les savoir-faire, est-ce qu'on a besoin de ces savoir-faire et comment on travaille avec elles pour justement essayer de les pérenniser, de les développer ? Alors là, je me sers encore de cet exemple de cet équipement public, avec cette commande publique qui était là pour... essayer de pousser et tirer la filière vers le haut. La difficulté dans nos territoires savoyards, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises effectivement qui travaillent le bois, puisqu'historiquement, avec les chantiers de montagne, ces savoir-faire sont là, mais c'est beaucoup de très petites entreprises ou d'entreprises de taille moyenne. Et pour pouvoir construire des équipements de plus grande importance, il n'y avait aucune entreprise qui était capable de le faire sur le territoire. Et là, ce qui a été fabuleux sur ce projet, c'est que c'est un groupement d'entreprises. Le groupement local qui est allé emporter le projet. Il y a des techniques qu'ils ne connaissaient pas. Et en l'occurrence, le membre du groupement, qui est Farison, qui a construit les caissons isolés en paille, il est allé se former, il a formé ses équipes, il a appris à le faire, il l'a fait, c'est son premier chantier. Et hop, c'est parti. C'est-à-dire qu'une fois ce chantier fait, et ben, ce savoir-faire, il va essayer de le disséminer, de le reproduire par ailleurs, de le proposer à ses clients. Et on a une filière qui se met en route par l'exemple. Et là, je trouve que c'est là où les flux d'argent public doivent être dirigés, donner l'exemple, et par l'exemple, faire en sorte on que la filière... un cercle vertueux, clairement. Sur cette question des compétences des entreprises, et puis éventuellement sur les compétences aussi des architectes, et est-ce que les architectes aujourd'hui sont friands de ces questions et ont une bonne connaissance, je pense aux écoles d'architecture par exemple, est-ce qu'on apprend ça ? Alors les architectes, globalement, je pense que oui, ils ont beaucoup de plus-value à apporter dans leur métier de toute façon avec ces matériaux-là. Je pense pas que ce soit les plus en retard. Je dirais que c'est une culture générale au niveau des maîtrises d'ouvrage, un peu, je trouve, quand même. Et heureusement qu'il y a des AMO qui viennent un petit peu aider dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une culture encore au niveau des commanditaires qui a à construire et à alimenter régulièrement. Et il faut en parler beaucoup. Et puis au niveau des artisans, moi ça fait 12 ans, 13 ans que je construis que comme ça. J'ai de plus en plus de facilité. Effectivement, il y a l'expérience qui aide, mais je me souviens, il y a une dizaine d'années, je luttais pour trouver des artisans. C'était pas simple pour trouver des artisans. Donc je suis bien content de plus passer autant de temps à trouver des gens. Et puis après, il y a les forums comme ça, quand c'est médiatisé, c'est vrai que ça aide énormément. Au réseau, et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ouais.
Bah écoutez, messieurs, merci d'être venus jusqu'à nous pour nous parler de bâtiments biosourcés et d'architecture. Une émission donc à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires France Bois Forêt et le Forum Bois Construction. Merci, messieurs.